Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo en résine et on va voir comment réaliser des petits bijoux, des petits clusters, des petits cristaux en résine époxy avec simplement des petites paillettes en suspension. Pour réaliser des petits bijoux en résine époxy, vous avez besoin de moules en silicone. Donc il existe des moules spécialement conçus pour la résine. Je vais utiliser la résine e-création qui est une résine à prise rapide qui prend à peu près en 12 heures en première polymérisation. Il faudra attendre ensuite 24 heures pour pouvoir démouler. Et c'est une résine assez fluide qui va permettre de faire aussi également de l'inclusion. Une résine assez facile à utiliser pour son ratio qui est de 100 pour 50. Donc il vous faudra la moitié du durcisseur pour la dose de résine. Donc je vais prendre un petit gobelet, j'ai mesuré la résine, il en faut très très peu, 10 g de A pour 5 g de B. Et puis vous allez pouvoir comme ceci mélanger votre durcisseur à la résine pendant 3 minutes pour pouvoir ensuite réaliser vos petits bijoux. Donc vous pouvez vous servir d'une petite pipette car les moules sont très petits, donc c'est un peu compliqué de verser la résine à l'intérieur. Mais sinon vous pouvez toujours verser la résine avec le gobelet, mais c'est vrai que les petites pipettes sont assez pratiques pour pouvoir remplir les moules. Donc le principe ça va être très très simple, c'est tout simplement de couler la résine dans les moules et puis d'ajouter des petites paillettes, différentes paillettes à l'intérieur pour obtenir différents effets pailletés. Donc vous avez pas mal de paillettes, des paillettes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, pour mettre des très très fines qui viennent se coller aux parois comme vous pouvez le voir. Et puis il existe des paillettes un peu plus grosses comme les paillettes Galaxy, voilà, donc vous faites un petit mix comme ça, vous voyez. Vous venez remplir votre moule avec des petites paillettes tout simplement, vous faites des petites strates, vous ajoutez de la résine, vous ajoutez vos petites paillettes. Et puis vous faites monter comme ceci la résine à l'intérieur de vos moules. Donc vous voyez qu'il y a des petites bulles qui viennent se créer quand on réalise comme ceci des petites créations. C'est tout simplement dès qu'on incorpore des petites choses dans la résine, cela vient créer un petit peu des petites bulles. Mais il suffit de les éliminer au fur et à mesure que la résine monte. Voilà, pour pas avoir de bulles à l'intérieur de votre moule. Vous voyez, vous mélangez vos petites paillettes. Et puis vous remplissez le moule jusqu'à ras-bord. Voilà, comme ça vous permettra par la suite de pouvoir y insérer un petit piton ou une petite calotte de finition pour pouvoir monter votre bijou. Donc je vais faire la même chose dans ces petits moules. Donc vous voyez, c'est vraiment des moules très très fins. Vous allez voir à la fin, je vais vous montrer aussi également comment démouler ces petits clusters, car c'est vrai que c'est assez compliqué. Vous m'avez envoyé pas mal de messages pour me demander comment retirer la résine à l'intérieur de ces moules. Donc c'est ce qu'on va avoir aussi également dans cette vidéo.
Alors, on laisse durcir la résine pendant 24 heures, même si au bout de 12 heures, on peut déjà démouler nos petits bijoux. Mais voilà, le mieux, c'est d'attendre la polymérisation vraiment complète. Sachez aussi que quand vous faites des créations en résine, vous avez par exemple la polymérisation qui se fait en 24 ou 48 heures, mais vous pouvez attendre plusieurs jours. Plus vous allez attendre dans le temps, et plus la polymérisation sera complète. Voilà, donc pour démouler, la petite astuce, je l'ai déjà montré en vidéo, mais bon, je vous refais cette petite démo. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tremper vos moules dans de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau froide, de l'eau chaude, avec un petit peu de liquide vaisselle. Et comme ça, vous voyez, ça facilite le démoulage. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai un petit cluster qui a sauté. Et donc voilà, donc le principe, c'est de bouger un petit peu les moules dans tous les sens. Vous voyez, d'écarter les moules pour y faire passer l'eau avec du liquide vaisselle qui va permettre donc de glisser. Donc pas besoin d'agent de démoulage, parce que ça aussi c'est une question récurrente qui revient souvent. Est-ce qu'il faut mettre de l'agent de démoulage à l'intérieur des moules? Donc selon ce que vous incorporez à l'intérieur de vos moules, sachez aussi que ça peut compromettre la prise de la résine. Voilà, j'ai eu pas mal de questions des personnes qui mettent de l'huile ou de la vaseline ou des choses comme ça. Donc sachez que ce n'est pas la peine, vous voyez. Il suffit de tremper donc vos moules à l'intérieur de l'eau savonneuse, et puis voilà, on arrive. Donc il y a certains moules qui sont un petit peu plus compliqués à démouler, comme celui-là, mais bon, il suffit de tirer un petit peu sur le silicone, et puis le mettant dans l'eau avec de l'eau savonneuse, vous voyez, on arrive quand même à démouler facilement les clusters. Voilà, donc très très simple d'utilisation. Et le fait qu'on n'incorpore rien, à aucun agent de démoulage à l'intérieur des moules, voilà, ça vous permet d'avoir la résine transparente. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin derrière de passer à l'étape de ponçage ou de lustrage de vos bijoux. Donc voilà pour ces petits clusters. Donc vous voyez, vous pouvez y mettre toutes les couleurs que vous voulez, tous les effets que vous voulez, les petites paillettes que vous voulez. Ensuite, sur le dessus, eh bien, vous pourrez un petit peu poncer les extrémités ou cacher avec une calotte. Pour les polyméristes, vous pouvez aussi bien aussi faire un petit décor en pâte polymère, pourquoi pas. Et donc voilà ce que ça donne, les mix des paillettes. Donc vous voyez, aucune bulle au niveau des clusters. Vous faites remonter la résine petit à petit. Vous incorporez vos paillettes. Voilà, là celui-là c'est plus un effet or et argenté. Donc voilà, vous faites tous les mélanges, les mix que vous voulez pour vos petits bijoux, pour vos petits cristaux. Des petits cristaux faciles à réaliser avec simplement des paillettes et de la résine époxy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouvera encore très vite sur la chaîne, comme chaque semaine, pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!